بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديث 231 وعن عائشة رضي الله عنها rapporté par Ummu al-Mu'minin, Sayyidatuna Aisha, radiyallahu anha, qalat lijia, in kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la yada'u al-amala, wa huwa yuhibbu an ya'amala bih. Parfois, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, li quitte ban action qu'il content faire. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, li pas faire expressément, li pas faire certaines en action qu'il est content faire. Qui fait khashyata an ya'mala bihi an-nas fa yufrada alayhim. Li paye attention qui bandimoun pour trouver li pour faire pareil, les là ça pouvait une faraz l'ozot. Alors ça montre nous Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sur rahmat pour sa ummat qui attention ban affaire vin lou l'ozot, ban affaire vin faraz l'ozot, les là je pas pour capable faire. Nous avons beaucoup d'exemples comme ça. Nous connaissons l'histoire de Miraj, qui a 50 namaz, une vine, 5 namaz, et malgré ça, nous gagnons récompense 50 namaz. Pour barakat, conversation qui finit entre des prophètes, c'est dans Moussa alayhi salam, avec Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui fait? Par crainte, qui attention, ça vient lou l'oban ummati, là, là, je ne suis pas beaucoup capable de faire. Comme ça, il y a encore un exemple, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dans Ramadan, nous connaissons, dans la nuit, il sort, il fait un namaz, et là, là, mon sahaba costé, je joins lui ensemble là-dedans, je fais pareil. Deuxième jour, il sort, je costé, groupe là grandi, troisième jour, quatrième jour, il n'est pas sorti. Il fait un namaz sur la case tout seul. Qui fait? Par crainte, qui attention, sa vie obligatoire, l'oban musulman. Finalement, là, là, fait namaz dans la nuit, les vins obligatoires au ban musulman, 5 fois namaz la même, difficile. Beaucoup de monde ont des difficultés pour faire li. Rasoul sallam connaît qui peut passer après. Et là, l'attention, comme on dit, ça namaz dans la nuit là aussi. Les vins obligatoires, les là, ummat pour gagner des difficultés. Rasoul sallam nous connaît, lui, il est bien faire namaz dans la nuit. Ça, c'est une spécialité, une spécificité pour lui. Mais peine sa obligation là, le ban ummat. Pareil pour mes soirs, je dis comme ça, si mon petit père qui savait une photo, le mot ummat, alors mon petit peu ordonne de faire mes soirs avant chaque namaz. Ça veut dire que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est extra content mes soirs. Dans le bouquet de Riyāḍ, de Hadiths, nous vous trouvez qu'il est extra content mes soirs. À tel point que dans ce dernier moment, il trouve un quelqu'un rentré dans mes soirs, il fait signe sa mes soirs. Là, il prend sa mes soirs là, Sayyidatuna Aisha radiallahu anha prend sa mes soirs là. Prépare-lui, là, là, lui donne Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Même à ce moment-là, je peux faire miswak. Alors, miswak, c'est un grand sunnat. C'est un sunnat qui, si nous attrapons lui, nous pouvons gagner beaucoup, beaucoup de bénéfices. Bénéfices spirituels, définitivement. Bénéfices médicaux aussi, pour physique, pour nous, les corps. Pas juste les dents qui bénéficient avec miswak. Beaucoup les autres parties encore. Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est extra content miswak. Mais malgré ça, les pannes. Mettre sa quantité là en phase là, nous à tel point qu'il y a aujourd'hui, si un dimon n'est pas pour faire miswak, il est beaucoup perdu. Beaucoup, beaucoup, il est perdu. Mais seulement, il n'est pas pour rentrer dans le haram. Parce qu'il n'est pas obligatoire. Là. Alors, Rasoul Zassam, t'es mal, il est content miswak, qui est content qui soit ummati avant chaque namaz, faire miswak. Il est content ça. Avant le dormir, faire miswak. Quand lever, faire miswak. Mais seulement, il n'est pas mettre ça là. Il n'y a pas de dire. Attention, ça pouvait une phrase, là, ça pouvait une difficulté, le sac au matin. Alors, nous, nous connaissons, qui considère Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, content, mi soir, et il nous montre, nous, il nous dit, nous, qui est. Moi, tu es capable, moi, tu as envie de dire, je te fais lire avant chaque namaz, mais c'est moi, pas de dire, pour telle raison. À ça, nous, nous connaissons que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tellement, il a envie de ça. Alors, nous faisons un petit effort. Nous faisons mi soir, là, nous gardons mi soir. Et, pour pratiquer sunnat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, surtout une sunnat qui est bien content. Alors comme ça, il y a plusieurs quelque chose qui les fin abstenir, n'est pas fin faire, par crainte qu'il s'approuve une difficulté le sur ummat et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, donc tout le temps, les pégains, ils tracassent sur ummat,
et il continue à tracer sur l'ummat jusqu'à yawm al-qiyamah pour faire shafa'at pour sur l'ummat et nous faire droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette nous parmi les gens qui bénéficient sur shafa'at sallallahu alayhi wa sallam. Nous prenons le prochain hadith, hadith 232 wa anha radiyallahu anha, toujours rapporté par Sayyidatuna Umm al-Mu'minin Aisha radiyallahu anha, qalat lijia نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال. رسول الله صلى الله عليه وسلم في نوع بزوت سفجي من صحابة بفع وصال. وصال كي فجي انجمون لي قاد روزا عريف لي افتار لي پا مانزي لي پا جيني لي هل دومي غامتان لي لفه لي كنتين سو روزا سفجي لي زوان روزا لا avec un lot روزا لي زوان lot روزا لا avec un lot روزا. Ça s'appelle wissal. Ça, ben, sahaba, tu peux pratiquer avant. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, tu peux pratiquer ça. De là, fin gagne plusieurs ben, sahaba qui finalement, fin commence à gagner difficulté. Il n'y a pas une affaire qui est facile. Garde rosa une journée, de là, assois aussi pas manger. Continue, reste fin, grand matin, regarde rosa encore. Alors, ben, sahaba, il commence à gagner difficulté avec ça. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il empêche de faire ça. Alors, qui fait une empêche de faire ça? Rahmatan lahum. Comme Sayyidatuna Aisha radiallahu anha dit, rahmatan lahum. Par rahmat pour eux. Ça veut dire, possiblement, les petits contents qu'ils ont fait ça. C'est un acte d'adoration, ibadat. Et lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, les petits peuvent pratiquer ça. Alors, par rahmat pour sa ummat, il fallait trouver dans la grande difficulté, les empêches de faire ça. Là, nous trouvons qui. القرآن سي آية القرآن بني وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ألو الله جاء مانزي بوا جسكا كي لي أبارون بوجد أن لاني بلان avec un lani noir. Ça veut dire c'est à subh al-sadiq quand ça soleil fait son premier PSC, on trouve ça la ligne blanc là l'horizon. Ça veut dire subh al-sadiq la sahri, alors mange et boit jusqu'à la sahri. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui-même il fait mettre à travers un riwayat, un hadith, il fait mettre beaucoup l'emphase au sahri, manger pour sahri. Ça veut dire pas continuer dormir, n'a pas rempli ventre par exemple, après al dormir continue dormir comme ça même juste pour pas lever pour sahri. Non, lever pour sahri, manger des affaires parce qu'il y a beaucoup barakat là dans. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam met beaucoup l'emphase là, manger pour iftar, manger pour sahri, passe la nuit, ça veut dire normal, avec ban activité conjugale, tout ça là, comme il y a dans le Coran, normal. Ça veut dire, rosa, God, zis, depuis, subh al-sadiq, jusqu'à soleil couché. Alors, ban sahaba demandé, faqalu, ban sahaba demandé, innaka tuwasil, ou faire wissal, ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire, comme ban ulama expliqué, ban sahaba, pirodmin, qui, ou pas besoin tout ça là. Allah subhanahu wa ta'ala fin de nous un grade, un grand grade. Ghafar Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Mais c'est moi ou même on peut faire li. Alors nous pas tipli besoin faire li encore. Ban sahaba puis envie faire ça grand action là. Nous pas tipli besoin faire li encore. Là Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit qala inni lastu ka hay'atikum. Moi mon pas pareil comme vous. Nous pas dans même hay'a. Encore une fois, nous revenons à ce topic-là, qui est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est pareil comme à tout le monde? Non, là, lui-même ne peut dire, mais pas pareil comme à tout. Alors qu'il fait une guerre avec Allah subhanahu wa ta'ala pour dire, qu'il innama ana basharum mithlukum, dire que certainement, moi, un bashar, moi, un humain, comme à tout. Alors, comme à tout, il n'est pas pareil, net comme à tout, non. Ça veut dire nous appartenir à la même race, à la même création. Ashraful makhlouqat, meilleure créature qui Allah fin fait, c'est l'être humain. Meilleur qui ange, meilleur qui djinn, meilleur qui tout. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, donc, en tant que meilleure créature, lui appartenir à meilleur groupe de création. Et nous trouvons aussi que quand lui fin vient comme un humain, là, nous, ben humain, nous gagnons l'exemple. S'il vient comme un ange, comment nous gagnons l'exemple avec lui? Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit inni lastu ka hay'atikum, moi pas pareil comme vous, moi pas dans même forme, dans même façon qu'ils ont moi. Inni yut'imuni rabbi wa yasqini, moi certainement mon rab lui donne moi manger, lui donne moi boire. Ça veut dire je trouve moi quand il arrive l'iftar, quand il arrive à soir jusqu'à grand matin, moi pas peut manger, moi pas peut boire, mais seulement moi
Murabdunma mazé, murabdunma boa. Une façon qui, comme un ulama fait nous comprendre, qui Allah subhanahu wa ta'ala lui donne lui la fausse. Comme un djimoun lui pour manger, lui pour boire, pour regagner la fausse, Allah subhanahu wa ta'ala donne lui la fausse. C'est même la fausse qui va ne sahaba pas pour elle, là, je pour faible, je pour tomber. Alors, ça montre nous un encore un de ban shama'il de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ban spécificité qui est naziste pour lui. Pour montrer nous qu'il n'est pas pareil comme à tous les autres démons. Allah subhanahu wa ta'ala donne lui manger, donne lui boire. Ne trouve libéré faim alors qu'il n'est pas faim. Alors, et n'avant les autres circonstances que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il reste faim. Et n'avant le moment que tellement il se bégaye faim, il sort de sur la case et il m'a dit la lise de Sayyidina Abu Bakr avec Omar radiallahu anhuma. Je tiens à le manger une place. Et n'avant le moment, il se bégaye à tasse rousse, ben sahaba, vini, je te lève, je te linge, je te montre lui, il y a tasse une rousse au ventre. L'île lève sur l'inz, lui montre une tasse d'éros le sauvant. C'est dans la bataille Khandaq. Alors, dans ces circonstances-là, qu'est-ce qui peut arriver si, ben sahaba, pe fin, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, lui, il bien mangé, boire? Non. C'est ces circonstances-là qui fait comme ça. Et ben, l'olama expliquait aussi qu'il était content, ça, à ben ça, la vie, dit mon misère-là, parce qu'il a dans, il a un bon, un bienfait spirituel extraordinaire. Les mêmes l'indiano qui, pire récipient qu'un djimoun qui a rempli ses ventes. Alors quand sa vente là reste vide, djimoun là est plus proche avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a beaucoup dans les autres shama'il encore, par exemple, quand il s'est dormi, nous connaissons quand nous dormons, nous oiseaux cassés. Là, quand nous pouvons lever, nous pouvons besoin refaire oiseaux, sinon nous pouvons faire namaz. Rasoul Allah s'est fait namaz, il s'est dormi, il est levé, il fait namaz comme ça même. Il n'est pas fait oiseaux. Là, quand il y a une question, il dit, mon lisier dormi, mon lequel pas dormi. Donc, l'isier dormi a une autre qualité. Nous dormi a une autre qualité. Comme ça, il y a encore beaucoup dans les autres affaires. Encore beaucoup dans les autres affaires. Quand les types à la toilette, les types qui ont un parfum, sa transpiration tient un parfum. Comme ça, encore, on connaît beaucoup, beaucoup dans Shama'il. Il y a plusieurs livres, comme on dit Jésus, il y a Shama'il Tirmidhi, Imam Tirmidhi, ce livre, le Shama'il de Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam. Il est bon si. Comme je disais, dans la case, il y a une barakat là-dedans. Et il traduit dans beaucoup de langages. Il y a une barakat là-dedans. Donc, nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq pratique, bonnes affaires, qui nous tendent, nous comprend, qu'Allah fait nous comprendre, Allah donne nous tawfiq, fait amal, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous bénéficier. Sa rahmat, qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fit montrer à l'égard de ce ummat-là, et qu'il donne nous. So shafa'at yawm al-qiyamah wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.